la série dans laquelle j'ai joué s'appelait Seconde Chance. Et ça a duré environ 3 mois. En fait, je tournais la journée. Le soir, j'étais au théâtre dans la pièce Je me voyais déjà. Donc c'était un rythme très soutenu, mais moi j'adore quand ça se passe comme ça. Départ, donc c'est un film qui a été écrit par Fabrice Eboué et Thomas Njijol et réalisé par eux aussi, et ils étaient donc les personnages principaux du film, et c'est vraiment eux qui m'ont donné ma chance au cinéma. J'ai aussi parlé d'Olivier Carbone, qui est un directeur de casting que j'avais rencontré peut-être quelques mois auparavant, qui avait souhaité qu'on se rencontre comme ça, et c'est lui aussi qui leur a parlé de moi et qui m'a permis de passer ses essais. Et voilà, ça m'a ouvert les portes de la belle aventure, quoi, qui continue. L'activité, c'était très très fort en fait comme expérience. J'ai rencontré, alors c'est un film qui a été écrit et réalisé par Maurice Barthélémy, donc un membre des Robin des Bois. Et la rencontre s'est passée très simplement. Il avait vu Casse Départ et donc il cherchait son personnage féminin. Pour le film, et on s'est rencontrés, on a discuté, et j'ai déjà trouvé la personne extra, quoi. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bosser avec lui. Et il m'a parlé de Norman, que je connaissais pas à l'époque, et je suis allée voir son travail, et que j'ai adoré, et j'ai adhéré de suite. Et il nous a fait passer des essais assez étonnants. En fait, il nous a, au lieu de nous faire dire le texte, il nous a donné une interview de Jean-Claude Van Damme qui avait été réalisée par le magazine Première, et il fallait qu'on se la réapproprie. Donc c'est-à-dire que voilà, Jean-Claude Van Damme, c'est quelqu'un qui a une vision de la vie à lui, quoi, particulière, et c'est vrai que c'était assez drôle parce qu'on a pu aller loin dans le délire, et c'était génial. Un autre cadeau de la vie, parce que je me rappelle que Pef aussi, donc Pef, le réalisateur du film, acteur scénariste, avait vu aussi Casse Départ. Et c'est assez drôle parce que Pef est aussi membre des Robin des Bois, mais il savait ni l'un ni l'autre en fait qu'il me rencontrait presque au même moment. Et donc du coup, voilà, quand j'ai appris qu'il y avait Christian Clavier, Isabelle Nanty, enfin Pef, des gens que j'admire en fait, que je voyais quand j'étais gamine, je me disais, me retrouver dans un tel truc, ça serait vraiment ça serait juste incroyable. Et quand ça s'est concrétisé, en fait souvent je me posais pendant le tournage et je regardais, je me disais, mais quelle chance, quoi, j'avais vraiment envie de profiter de l'instant et de me rendre compte de la chance que j'avais. Grâce à Isabelle Nanty, qui m'a présenté à Édouard Baird, de jouer sur la pièce d'Édouard Baird en tournée, où je vais remplacer une jeune comédienne de talent qui s'appelle Alka Balbir. Et je suis ravie parce que je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc c'est juste incroyable. Et là où c'est fort, c'est que je vais jouer le rôle de Marianne, l'emblème de la France en fait. Et donc c'est un rôle complètement déjanté et très lumineux, tout ça, donc je suis ravie comme tout, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer. En fait, ma famille, c'est ce qui compte le plus dans ma vie. Donc après, tout ce qui arrive après, c'est du bonus en fait. Je le prends comme un cadeau de la vie, je m'attends à rien, je vis juste l'instant présent. Et pour moi, voilà, c'est précieux, j'ai besoin d'avoir des moments, donc je prends toujours le temps de profiter des miens, quoi. Mais c'est la bonne affaire. J'avais une sœur handicapée en fait, et c'est vrai que c'était très fusionnel, hein, vraiment, on avait c'était fort, quoi, c'était très fort, qui est décédée depuis maintenant depuis 4 ans. Et c'est vrai que de grandir, c'était ma grande sœur, de grandir, parce que moi je suis née avec elle en fait, donc de grandir avec quelqu'un qui est malade en fait, on relativise. Un bout de chocolat, c'était la fête, enfin, je veux dire, c'est des trucs bêtes, hein, mais et quand elle me serrait dans ses bras, je savais que c'était vraiment que ça venait du cœur, quoi. Je sais pas comment expliquer, voilà, elle m'a appris la vie vraiment, et très tôt, c'est vrai que souvent on m'a dit, disons que t'es mûre pour ton âge, même quand j'étais gamine en fait, parce que c'est vrai que j'étais très attentive, on s'occupait tous d'elle, on était tous autour d'elle, et c'est vrai que c'est elle qui m'a appris la vie, quoi, vraiment. Pourquoi je suis attirée par le fait de jouer, le fait de chanter, le fait d'être sur scène, de partager avec les gens, etc.
Et en fait, bon, j'ai toujours aimé ça depuis gamine, hein, mais c'est vrai que ma sœur, je passais mon temps à lui faire des spectacles. Je passais mon temps à la faire, à chaque fois que je pouvais la faire rire ou autre, c'est vrai que je faisais le clown tout le temps, gamine en fait. Et je pense vraiment qu'il y a de ça aussi. Mon espoir marchait des insolites, un souvenir sur fond de cris. Que Sophia, c'était une fille extraordinaire. Qui nous a tous beaucoup marqué en tout cas. C'était ma sœur de cœur. C'était une fille, quand elle rentrait dans une pièce, qui illuminait la pièce. Elle avait besoin de rien faire. Une boule d'énergie qui nous apportait énormément. Et son dicton, c'était la vie est belle. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait, peu importe les galères, c'était la vie est belle. Donc voilà. Et une chanteuse incroyable. Et j'aimerais vraiment que les gens la découvrent. De nouveau, elle a cet album qui s'appelle Marché des Insolites, qui est juste magnifique. Elle avait une voix incroyable. C'était une diva pour moi, c'était ma diva. J'ai rencontré un super musicien qui s'appelle Daniel Romeo, qui produit des chansons en fait sur lesquelles je travaille en ce moment et qui a mis des musiciens extraordinaires sur le projet. Donc on verra ce que ça dit. Mais là, c'est vraiment au-delà aussi de ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous, parce que c'est, ils ont juste sublimé mes petites chansons guitare-voix, piano-voix. C'est assez fou, quoi. Ils ont fait quelque chose de fort, en tout cas pour moi. De profiter de la vie pleinement et de vivre le moment présent, voilà. Comme au cinéma. Et qui a été écrite par Hélène Perriot, donc auteur extra, et composée par Arnaud Diem et moi-même. 2, 1, 2, 3. Mon amour, fais-moi du cinéma, du grand, du noir et blanc comme autrefois. Réveille-moi le matin et dans tes bras, rejoue-moi la première fois. Dis-le-moi encore que tu m'adores, même si j'ai rien compris, même si j'ai tort. Fais-moi le coup des fleurs, je mords à mort. À ce jeu, c'est toi le plus fort. Mais qu'est-ce que j'aime quand tu oh oh oh. Tu te laisses aller, yeah. C'est jamais trop. Oh, oh. C'est tout toi ce ciné-là. Tu m'adores, même si j'ai rien compris, même si j'ai tort. Fais-moi le coup des fleurs, je mords à mort. À ce jeu, c'est toi le plus fort. Mais qu'est-ce que j'aime quand tu oh oh oh. Tu te laisses aller.